Il est parti. Il est parti parler à Eric. Eric allait ramasser les voisins, sur le doigt, ils sont partis. Oh! Change à quel problème? Il a quel problème? Il veut que tout le quartier mette ses yeux sur moi, quoi. Il a quel problème? Il chauffe mon cœur, tu peux même pas savoir à quel point. Mais Yedio, cette histoire de fesses de jus dans le bâtiment là, c'est quoi? Quelle bonne affaire des fesses. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer, c'est rien d'extraordinaire. La dernière fois que je suis en bas, tu connais, l'entrée où il m'a arrêté pour faire mes snaps et puis les gens vont me voir. Ta camarade allait s'arrêter comme tous les jours, il n'y a plus photo sur Instagram. Donc je suis pas dit, il y a pour mon téléphone, ils ont fait mes selfies, causer sur mon téléphone, etc. Votre voisin qui salue pas les gens là, le vieux, il passait. Qui le calcule? Il a l'habitude de passer, salue pas les gens. Moi, je m'en fous, on est d'accord. Mais je suis arrêté, je suis sur mon téléphone tranquille. Le gars passe, il arrive, jusqu'à il arrive vers mon niveau. Le gars tape sur mes fesses. Et puis toi, tu dis quoi? Tu as vu ta réaction, tu as eu. Ma camarade, même réaction. Mais tu me connais. Tu sais qu'on choupait avec moi. Donc, où il m'a prêté, lui dit, tu es malade. J'en ai dit, tu es malade. J'en ai dit, Dors, là, n'est pas sorti, ma camarade. Le gars a jeté vers moi. Je me suis empêché. Elle a pris l'argent, là. C'est parti à la maison. Le lendemain, s'il est passé, il m'a donné 20 000. Peut-être le lendemain, il va donner plus. Non, ta camarade va porter sa robe la plus sexy. Toi, me faut regarder. Normalement, ça, là, il va donner 40, 50 000, je sais pas. Mais pas ma robe. Il vient m'arrêter, même place, même heure, il s'est calé. Le gars passe, il sent son ombre quelque part là-bas, il fait genre, il le voit pas venir, genre, quand un moment, il dit, oh, cambre. Tu connais, il me dit que là, j'ai été 25 000, 40 000. Ah, Georges qui a arrêté derrière, qui a venu gâter mon business. Le voisin est passé, il est parti, il n'a pas jeté 5 francs. Est-ce qu'il me connaît? Il n'a qu'à s'amuser, moi. Il n'a qu'à s'amuser, moi. Il a gâté mon cœur, tu peux même pas imaginer. Non, si je comprends bien, là, toi seul dans le bâtiment, là, tu gères Eric. Sa soeur envoie l'argent des bengues et tu bouffes. Maintenant, tu es arrivé sur ton soi-disant cousin Georges, à Poutou, comme ça. Tu gères ça aussi. C'est sur le voisin là tu es arrivé. Mais quand les rumeurs disent que c'est à cause de toi, sa femme enceinte a quitté le bâtiment, là. Non, c'est ça en fait. Il te permet pas. Moi là, il te permet pas. C'est pas parce que parfois il vient m'asseoir, toi, et puis il te raconte mes histoires, que tu vas prendre ça pour m'insulter. Le voisin, on le connaît, nous tous ici, quand il vient là. Depuis qu'il est arrivé dans la cour, il ne salue pas quelqu'un. Faut pas que tu aies mettre ça sur moi. Tu as compris? Il ne respecte pas quelqu'un. Il est bizarre. Mais tu as pris ses 20 000, non? Il est pris et puis demain, il est prêt encore. Chez vous, là, vous êtes affamé qu'à ce point-là. On a faim. On a faim. Demain, là, il va me mettre encore plus sexy. Ma camarade, il va m'arrêter. Et puis, il va taper mes fesses, il va donner mon âge. Attends. Viens ici. T'es quoi? Je suis la seule célibataire du bâtiment. D'accord? Non, s'il doit taper sur les fesses de quelqu'un, là, c'est bien moi. Ça va pas chez toi? Il a tapé sur mes fesses, et puis mes petites fesses, et puis il m'a donné 20 000. Moi-même, il y a une grosse fesse, large. S'il tape dessus, il peut me donner 40 000. Je vais faire rire, mais père, tu sais que t'as 20 000, t'as donné là. C'est ton lance qui a joué là. Ma petite a joué bité. Il va plus jamais te donner quelque chose. C'est pour moi, c'est mon champ. Hé, prends le cadeau. Toi-même.